Mon nom est Martin Meunier, puis je vous souhaite la bienvenue. Je suis directeur du Collège des chaires sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Et immédiatement, je demanderai à Yves Pelletier, qui est vice-recteur associé à la francophonie à l'Université d'Ottawa, de bien introduire en quelque sorte cette table ronde. Yves, à toi la parole. Merci beaucoup, Martin. Chers participants, Monsieur le sénateur, l'honorable René Cormier, sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick, chers représentants des organisations francophones d'Acadie et de toute la francophonie canadienne, y compris la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la Société nationale de l'Acadie, du Musée acadien, de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et Labrador, du Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse, du Centre de la francophonie des Amériques, parmi de nombreux autres organismes, chers professeurs et chers collègues en provenance de plus de 8 universités canadiennes, chers amis. Permettez-moi tout d'abord, en tant que vice-recteur associé francophonie de l'Université d'Ottawa, d'ouvrir cette table ronde en rendant hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de la terre sur laquelle se situe l'Université d'Ottawa. Nous reconnaissons le lien de longue date l'unissant ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier et d'aujourd'hui. Collègues, c'est avec un vrai plaisir que je vous accueille aujourd'hui virtuellement à l'Université d'Ottawa pour cette table ronde qui portera principalement sur l'Acadie. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous êtes, comme moi, passionné par la francophonie canadienne, par son histoire, par sa vitalité, par ses défis et par ses crises aussi, malheureusement. Aujourd'hui, le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone nous invite à un exercice stimulant et ambitieux. En réunissant 4 auteurs, 4 chercheurs spécialistes de l'Acadie, nous allons pouvoir prendre le temps de réfléchir ensemble sur le présent et l'avenir. Nous allons tenter de porter notre regard un peu plus loin et d'imaginer comment nos communautés francophones, et plus spécifiquement la communauté acadienne, peut se transformer, s'adapter et poursuivre leur rayonnement. Je remercie très sincèrement nos 4 invités, tous professeurs à l'Université de Moncton, qui vont se plier à cet exercice d'anticipation. Ils ont tous contribué à la rédaction d'un ouvrage riche et passionnant, « L'état de l'Acadie », paru l'année dernière. J'en profite pour souligner la qualité des relations entre nos 2 universités. Je sais que les projets de recherche sont nombreux et fructueux. Ayant moi-même enseigné à l'Université de Moncton par les années passées, je reconnais l'importance personnelle et professionnelle de maintenir des liens solides et étoffés entre nos 2 universités et parmi tous les établissements membres de la CUFC. Je vous souhaite une très belle table ronde. Je passe la parole de nouveau au directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, le professeur Martin Meunier. Martin. Merci beaucoup. Merci, Yves. Alors, écoutez, il s'agit d'une table ronde, donc d'une discussion à partir de questions très larges, mais nous avons invité 4 intervenants qui ont en quelque sorte des champs, on pourrait dire, de spécialité. Du moins, ils ont ou elles ont travaillé à la rédaction d'un ou de plusieurs articles au sein de ce livre, L'état de l'Acadie. Alors, je vais aller par ordre alphabétique les présenter. D'abord, nous avons Laurence Arrigui, qui est professeure agrégée au département d'études françaises de l'Université de Moncton. Elle s'intéresse à l'histoire de la linguistique acadienne selon une approche sociographique de la recherche dans ce domaine. Ses travaux portent sur les discours d'autorité et leur propension à définir les pratiques et usages linguistiques. La professeure Arrigui a contribué à l'article « Bilinguisme dans la presse anglophone et la qualité du français au Nouveau-Brunswick dans l'état de l'Acadie ». Également, nous avons Marianne Cormier, qui est professeure titulaire et doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Moncton. Madame Cormier s'intéresse aux questions d'éducation en milieu minoritaire. Ses recherches en sciences et langues illustrent notamment l'importance du développement langagier pour la compréhension des sciences. Elle a contribué à l'article « Les enjeux de l'éducation au Nouveau-Brunswick francophone » dans le livre.
Michèle Landry a été, bien sûr, une directrice, une des co-directrices de l'ouvrage, mais elle est également professeure agrégée au département de sociologie et de criminologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones canadiennes et les enjeux sociopolitiques relatifs aux minorités linguistiques. Ses recherches portent sur les questions relatives au pouvoir et à l'organisation sociopolitique des francophonies canadiennes, notamment des Acadiens du Nouveau-Brunswick. Et évidemment, elle a, je le disais, dirigé l'État de l'Acadie, mais elle a aussi contribué à plusieurs articles. Je pense à l'Acadie rurale, l'Acadie urbaine, les mouvements environnementaux, la municipalité du territoire, identité et lieux de mémoire acadienne, etc. Le dernier, mais non le moindre, M. Christophe Trenel, qui est directeur adjoint de l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton. Il est également titulaire de la chaire Sangor en francophonie comparée à l'Université de Moncton et il est le nouveau président du vaste réseau international des chaires Sangor de la francophonie. Ses recherches portent actuellement sur les francophonies minoritaires dans une perspective comparative. Monsieur Trenel a travaillé beaucoup à plusieurs articles touchant l'immigration, notamment le rôle des communautés en immigration francophone, le rôle des gouvernants, francophonie internationale dans le livre « L'État de l'Acadie ». Voilà pour nos quatre intervenants je vous invite en quelque sorte à prendre la parole à partir de questions, mais avant de procéder en quelque sorte à ces questions ouvertes où j'aimerais vous entendre tous et toutes, j'aimerais donner la parole à Michèle Landry pour qu'elle puisse nous faire, on va dire, état, on pourrait peut-être dire ici, de les intentions qui ont présidé à la rédaction, à la colligation des différents articles dans ce livre. Il s'agit d'un travail, on parle d'un livre assez volumineux, de centaines d'articles qui ont été colligés, un travail de longue haleine, très exigeant. Michèle, j'aimerais que vous nous parliez de cette aventure d'abord et avant tout. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation et merci l'accueil si chaleureux. Oui, alors en fait, comme M. Meunier le mentionnait, c'est un ouvrage qui regroupe une centaine de textes, donc qui porte sur vraiment différents aspects, enjeux de l'Acadie contemporaine. Alors, tout d'abord, notre intention était d'écrire l'Acadie, mais d'aujourd'hui, sous-entendu ici comme étant la société, les communautés que forment les francophones des quatre provinces atlantiques. Évidemment, trouver les spécialistes pour écrire sur ces questions-là n'est pas une tâche si facile qu'on pourrait le penser. L'Acadie, c'est une petite société, alors les spécialistes, les universitaires, on n'en a pas dans tous les domaines, mais je pense que même s'il y a un certain déséquilibre dans le traitement des provinces, on a quand même réussi à trouver plus d'une centaine d'auteurs pour écrire sur différents sujets avec rigueur, mais on a aussi travaillé avec l'éditeur, M. Delbusseau, pour rendre les textes vraiment accessibles à un plus large public, alors à un public étudiant ou à un public qui n'est pas en Acadie, qui ne connaît peut-être pas toutes les subtilités et les détails. Alors, pour nous, l'intention était vraiment de présenter l'Acadie à un large public, d'outiller aussi les décideurs publics. On voulait qu'à la fois la société civile qui en a besoin dans ses revendications, mais aussi les décideurs publics qui veulent bien s'outiller ou s'informer, ait accès à des lectures rigoureuses, mais tout à fait accessibles sur vraiment une multitude d'enjeux pour exprimer aussi la complexité de l'Acadie et aussi sa diversité. Alors, ce n'est pas appelons-la une société, là, ou parce que je pense qu'elle n'est pas tout à fait communauté, mais bon, on ne discutera pas de ça aujourd'hui, mais elle est diverse et quand même assez complexe. Ce n'est pas un bloc monolithique. Et puis, dans cet ouvrage-là, on a vraiment... l'ouvrage est divisé en 10 thèmes, mais nous,
Au départ, on avait ça divisé en une vingtaine de thèmes, là. Alors, on passe d'enjeux environnementaux à l'industrie musicale, aux enjeux féministes, aux questions de langue, même les problèmes de prêtres pédophiles, les questions d'éducation, de langue, de droit, de politique linguistique. Alors, pour nous, c'était vraiment d'exprimer l'Acadie d'aujourd'hui, l'Acadie contemporaine, dans ses enjeux actuels qui dépassent largement, bien que ça soit central, les enjeux politiques, les enjeux linguistiques, mais on voulait vraiment amener des enjeux qui, dans le fond, touchent les différentes communautés acadiennes. Alors, comme on l'écrit dans notre présentation, là, c'était pour montrer que l'Acadie est plus qu'un détail. Il faut penser qu'au début, quand nous, on a commencé à travailler sur cet ouvrage-là, on était dans à l'époque de la CBC, de son documentaire This Is Us, où on parlait à peine de l'Acadie, où il y avait beaucoup d'antibilinguisme aussi qui commençait à résurgir dans les médias sociaux. Alors pour nous, c'était vraiment le moment propice là, de réaliser un ouvrage comme celui-là pour vraiment présenter. On est tous les trois issus de l'Université Laval, alors c'était vraiment une approche sociographique aussi qui nous inspirait. OK, mais merci beaucoup, Michel, pour cette présentation des intentions qui ont présidé à ce travail qui est, ma foi, admirable au sens où d'avoir réuni autant de personnes sur des thèmes différents. Et pour avoir lu l'ouvrage, je peux vous dire qu'il ne s'agit pas là d'un ouvrage d'histoire, mais bien c'est sur l'Acadie, l'état de l'Acadie contemporaine. Alors, peut-être première question que je pose ici aux quatre panélistes. En passant, pour ceux et celles qui auraient des questions, il y aura à la fin de la séance, une portion significative de temps qui sera allouée pour des questions de toutes parts. Donc, je vous dirais, notez vos questions et nous aurons un moment pour discuter avec l'ensemble des participants ici réunis. Mais pour le moment, les questions que je vais poser s'adressent à nos quatre intervenants. La première question, ça s'appelle l'état de l'Acadie. Ça s'appelle l'état de l'Acadie. Ma question est, quel est l'état de l'Acadie? Quel est, en quelque sorte, comment se porte l'Acadie? Comment se porte l'Acadie? Se porte-t-elle bien? Est-ce que ça va bien? Est-ce que sur le plan sociodémographique, ça va bien? Quelle est votre lecture de l'état de l'Acadie en ce moment? Ça en prend un qui se jette à l'eau et le reste dessus. Comme je dirais dans mes classes, pas tous en même temps. Je peux peut-être commencer, je ne sais pas. Christophe, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Merci à vous, les organisateurs. Merci à Eric et Martin en particulier de nous donner la possibilité de nous prêter à cet exercice intéressant, justement, de faire un peu de prospective tout en proposant aussi un bilan sur nos thématiques respectives. Alors, ce que je vais dire est pas vraiment tiré des deux articles qu'on a publiés, Guillaume Deschênes-Thériault et moi, sur l'immigration francophone. Ces deux articles-là portaient essentiellement sur un panorama institutionnel, à la fois faire l'inventaire des institutions, des dispositifs qui ont été mis en œuvre sur l'immigration francophone et aussi des organismes qui s'investissent beaucoup dans l'immigration. Et c'est un peu ces deux éléments-là qui sont d'ailleurs à noter hein, quand on dit finalement quel portrait peut-on dresser de la situation de l'Acadie, en particulier de l'immigration francophone. Il faut d'emblée souligner ça. Cette importance assez conséquente ces 15 ou 20 dernières années de l'immigration francophone en Acadie et la manière dont la société acadienne, dans son ensemble, s'est investie dans le dossier. Et je dirais que c'est considéré maintenant comme un dossier crucial pour l'Acadie, l'immigration francophone, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a encore 20 ou 30 ans. Effectivement. Où on considérait surtout l'immigration plus comme un danger que comme une opportunité pour l'Acadie. Tout simplement parce que les données qu'on avait sur l'immigration montraient qu'il y avait très peu de francophones qui immigraient dans des régions comme l'Atlantique.
Et il fallait corriger en quelque sorte ça. Donc ça a été un premier élément, c'est de prendre conscience que l'immigration en tant que telle menaçait en quelque sorte le dynamisme de la communauté acadienne d'un point de vue sociodémographique, et qu'il fallait en faire en quelque sorte inverser la vapeur et faire en sorte que cette contrainte qui pesait sur les épaules des minorités linguistiques, et quand je parle de l'Acadie, on pourrait faire le même constat pour les autres communautés ailleurs au Canada en situation minoritaire, qu'il fallait finalement attirer vers nos communautés un maximum d'immigrants francophones, avec l'espoir que ces immigrants francophones s'intègrent et puis s'insèrent au sein de nos minorités linguistiques. C'est d'autant plus important que quand on fait un peu de prospective en immigration, on s'aperçoit que le Canada, c'est un pays d'immigration. Ça, je ne l'apprendrai à personne. Plus maintenant que 250 000 immigrants qui sont accueillis chaque année au Canada. Et les projections publiées par Statistique Canada considèrent que d'ici 2036, entre 25 et 30 % de la population canadienne sera immigrante. Donc, c'est quand même assez importante. Donc, ça a un effet, cette immigration décisive, tout à la fois sur la région de l'Atlantique et plus particulièrement sur l'Acadie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Acadie, même si elle n'est pas a priori la région qui attire le plus les immigrants francophones, là où non plus on ne se le cachera pas, notre région, c'est une région qui a de sacrés défis. C'est une région avec des petits nombres. Par rapport aux grosses métropoles, quelles sont les régions qui attirent le plus les immigrants au Canada? C'est Montréal, Toronto, Vancouver. Là aussi, tout le monde le sait. Et les immigrants francophones sont attirés pas par Moncton, pas par Halifax, pas par Saint-John ou Saint-Jean, mais bel et bien par Montréal, Québec et les autres villes québécoises. Donc ça, c'est un défi. Défi des petits nombres, défi de la périphérie aussi. On est une région qui est éloignée de ces grands centres. Donc tout ça ne plaide pas, entre guillemets, pour cette région. Il n'en demeure pas moins que cette région a de sérieux atouts à faire valoir en matière d'immigration francophone, et notamment par la variété des communautés d'accueil qui composent cette Acadie. On a finalement l'ensemble des panels des communautés possibles d'accueil. On a des grands centres, nous aussi, alors ce n'est pas aussi grand que Toronto, Montréal, évidemment, mais Moncton commence à devenir une grande ville, Moncton Riverview Dieppe, avec une complétude institutionnelle en matière d'infrastructures, de services publics. C'est le cas aussi, bien évidemment, d'Halifax ou de Saint John. Donc il y a ces grands centres, mais aussi des régions avec des petites villes, des régions où finalement on peut s'installer avec une pression immobilière qui n'est pas celle qu'on rencontre dans les autres régions. Bref, toute une série d'avantages comparatifs qui font en sorte maintenant que la région de l'Atlantique devient de plus en plus intéressante. Et ça apparemment attire de plus en plus d'immigrants francophones. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails des chiffres parce que ce n'est pas nécessairement le lieu de faire ça, mais on constate que de plus en plus les immigrants francophones s'installent. Ils s'installent parce qu'ils prennent conscience finalement de l'intérêt de cette région, mais aussi parce que des efforts sont faits assez conséquents de la part des pouvoirs publics, mais aussi de la société acadienne, pour pouvoir à la fois assurer la promotion de ces régions acadiennes à l'extérieur. Il faut parler de la région Acadie et de la région Atlantique pour que des personnes puissent, un, savoir que ça existe sur la planète. Ce n'est pas nécessairement évident pour tous les francophones du monde de comprendre qu'il y a une région acadienne qui est susceptible de les accueillir. Ah, et ensuite, de les convaincre de venir s'installer. Et lorsqu'ils viennent, simplement pouvoir faire en sorte de pouvoir les accueillir comme il faut. Et là, il y a toute une constellation d'organismes, d'associations, d'institutions qui se sont développées ces 15-20 dernières années pour pouvoir assurer cet accueil des immigrants francophones. Voilà. Donc,
Le problème, et je terminerai par là, c'est qu'on n'en arrive pas encore à finalement atteindre les cibles qu'on s'est fixées. Il y a par exemple au Nouveau-Brunswick, on se fixe une cible de grosso modo un tiers des immigrants qui doivent être accueillis doivent être francophones. On est bien loin du compte, on touche à peine 15% maintenant du total. Voilà. Excellent, merci pour mettre la table à partir du foyer de l'immigration. Pour ce qui est de l'éducation ou encore de la question linguistique ou la question politique, comment vous posez en quelque sorte l'état de l'Acadie en ce moment? Madame Cormier. Oui, merci. Merci de l'invitation de ma part aussi. Puis merci à Michel et son équipe aussi pour cette œuvre. Puis je me souviens quand elle m'a convaincue d'écrire un texte, parce que je n'étais pas certaine de vouloir le faire, mais je suis bien heureuse de faire partie de ce collectif. Alors, le portrait de l'Acadie en éducation, c'est comme le microcosme de tous les différents défis, les différentes tensions et les différentes opportunités que l'Acadie peut avoir. Elles se jouent toutes dans nos écoles et dans nos salles de classe. On ressent, par exemple, la périphérie, comme l'a mentionné Christophe, qui souffre un peu, les milieux ruraux. Les écoles sont en train de se vider. Et on a présentement une pénurie d'enseignants, de personnel enseignant, tout le monde le sait, mais ça se manifeste davantage dans ces écoles éloignées. C'est très difficile de combler ces postes-là. Donc, on voit comme, par exemple, au Nouveau-Brunswick, ben, l'État, c'est d'abord l'opportunité, c'est qu'on a la dualité en éducation. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui est à souligner comme étant un excellent acquis pour la communauté francophone. Cela étant dit, il faut encore travailler pour l'obtenir en éducation à la petite enfance parce que là, ce n'est pas encore acquis. Mais avec cette dualité-là, dans les écoles de la province du Nouveau-Brunswick, on atteint à peu près le 30% de l'effectif scolaire de la province. Par contre, si on se fie spécifiquement aux critères de l'article 23, il y aurait un bon 5 000 élèves qui pourraient être de plus dans le système éducatif francophone. Alors, j'ai fait un petit calcul rapide hier, là, puis je ne sais pas si les démographes seraient impressionnés de ma manière d'avoir calculé, mais ça nous amènerait à peu près, si j'enlève 5 000 au système anglophone, puis je les remets dans le système francophone, ça nous donnerait un 37 % de la population. J'ai consulté les textes des auteurs qui ont écrit dans l'État de l'Acadie au sujet de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard et de Terre-Neuve. Ce sont à peu près les mêmes enjeux. Les écoles rurales se vident, les écoles en région urbaine sont pleines par contre, et elles sont très diversifiées. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'école compose. Puis souvent, il y a l'immigration francophone, ça, c'est une genre de diversité, mais il y a l'immigration allophone, où est-ce qu'on essaye d'attirer ces élèves-là dans les écoles francophones aussi. Donc, les enseignants doivent apprendre à composer avec des classes qui sont très diversifiées et faire ça dans une perspective inclusive et de faire une place à ces élèves-là. Et les 5 000 élèves qui pourraient être récupérés si on pense à la jurisprudence de l'article 23 pour réparer les torts passés, c'est comme ça je pourrais le dire, il va falloir aussi composer avec une présence de l'anglais dans les écoles qui est déjà présente et qui est déjà la doléance des enseignants à l'époque actuelle, surtout dans les régions urbaines où l'influence anglophone se fait sentir dans les murs de l'école et comment est-ce qu'on fait pour garder cet espace-là un espace francophone. C'est à peu près ça, les tensions, donc accueillir la diversité. Juste en fin de semaine, on avait un article dans l'Acadie Nouvelle samedi qui disait qu'il y a une cinquantaine de familles marocaines qui vont arriver à Saint-Isidore dans la péninsule acadienne. Ça va probablement
augmenter, doubler la population de cette école-là. Les enjeux sont très intéressants. C'est une excellente opportunité, mais en même temps, pourra-t-on trouver des enseignants, pourra-t-on trouver des espaces, des classes, et comment composer avec cette diversité-là dans la salle de classe? C'est un peu ça qui est en train de se jouer en éducation tout de suite. Excellent. Merci bien. Tout de suite, peut-être, il y avait la dynamique ville-région. Je sais que Michel a écrit quelque chose là-dessus. La situation des... on peut dire, grosso modo, combien de... Pour les gens qui ne sont pas de l'Acadie ici, on parle de quel pourcentage environ entre les Acadiens vivant en ville et ceux vivant dans les régions? Ou environ? Là, tu me prends de court, là. En fait, OK, j'ai retrouvé c'est pas des données. Bon, ça faisait longtemps que j'avais écrit les textes, là, mais en fait, c'est ça. La population, si on prend certaines définitions, là, de milieu ruraux, milieu urbain, on se retrouve à environ 63 % de la population totale en milieu urbain au Nouveau-Brunswick. C'est une des provinces les plus rurales du Canada. Exact. Mais les francophones sont... à 49 % les anglophones à 69 % Alors, les francophones sont plus ruraux que les anglophones, sauf que quand on analyse les niveaux de ruralité par rapport à l'influence des villes, on remarque que les ruraux francophones sont quand même plus proches des villes que les ruraux anglophones. Donc, il y a ce petit... disons, cette petite distinction-là à prendre en considération, c'est-à-dire les Acadiens se retrouvent, pour ce qui est des ruraux, quand même près des villes centre. Moyennes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent la perception que la population acadienne est majoritairement rurale. T'sais, on la perçoit encore aujourd'hui comme de tradition rurale et encore aujourd'hui majoritairement en milieu rural. Mais quand on l'analyse avec les données du recensement, ce qu'on observe, c'est 49 % en milieu urbain. Là. Donc, on est pas mal proche de la moitié. Alors, il faut quand même voir que l'Acadie d'aujourd'hui est beaucoup plus urbaine que ce qu'elle a été dans le passé. Puis, ça serait intéressant de faire l'analyse pour les francophones du reste du pays, en fait, pour voir si l'Acadie est plus rurale ou si c'est comparable à la grandeur du Canada. Merci, Michel, pour cette précision. J'aimerais peut-être... Oui, allez-y. Je vais juste rajouter au niveau des écoles, parce que là, c'est les jeunes. On peut avoir un portrait plus ciblé au sujet de... Peut-être que les Acadiens qui sont encore majoritairement en milieu rural aussi sont plus âgés et dépassés l'âge d'avoir des enfants, parce qu'il y a 3 districts scolaires francophones au Nouveau-Brunswick. Et le nord-ouest a seulement 5 000 élèves. Le nord-est a 8 765 élèves, alors que le sud en a 15 326. Les 3 villes de la province, Moncton, Fredericton et Saint-Jean, sont dans le district francophone sud. Et on s'entend que c'est dans ces villes-là où est-ce qu'on est en train de construire de nouvelles écoles, alors que dans les régions rurales du territoire du district francophone sud, comme Saint-Louis-de-Kent, la Baie-Sainte-Anne, ces écoles-là sont assez vide. Ça fait qu'on voit ce phénomène-là dans les écoles. Merci pour cette double précision. Je me tourne vers Laurence Arrigui pour discuter avec elle, cette fois-ci, de la situation linguistique, en quelque sorte, en Acadie. Quel est l'état de l'Acadie sur ce plan? Oui, mais bonjour, puis je vous remercie moi aussi. Hein. C'est intéressant, je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais la langue me semble le sujet qui chapeaute quand même tous les autres, là. Et même en consultant les articles de l'état de l'Acadie, pas seulement dans la deuxième section qui s'appelle « Questions de langue », ni même dans la huitième sur les politiques linguistiques, mais j'ai vraiment eu ce sentiment, évidemment, qui n'est absolument pas une découverte, hein, mais que c'était un sujet transversal. Bon, en tout cas, comment se porte la langue En gros, je dirais que en linguistique, quand on parle de langue, on peut regarder globalement 2 choses. On peut regarder son statut, hein, tout ce qui relèverait finalement de la politique linguistique, et puis on peut regarder
aussi sa forme, hein, ce qui relèverait plus de l'aménagement linguistique. Puis moi, je vais sûrement dans mon propos osciller entre les deux, parce que aussi l'ouvrage L'état de l'Acadie a eu le mérite, hein, de donner finalement un portrait à ces deux niveaux, hein. Donc au niveau du statut, je ne vais pas aller très loin, parce que je dirais que bon, ben, on a quand même une, en tout cas j'espère que je ne vais pas soulever les foudres en disant ça, mais en tout cas on a quand même une bonne législation. Au Nouveau-Brunswick, ah oui, je vais préciser aussi que mon discours est quand même très, parce que moi je suis vraiment connaissante que pour le Nouveau-Brunswick. Donc en tout cas on a quand même une bonne législation, un bilinguisme officiel depuis 69, une égalité des deux communautés depuis 82. C'est aussi, et c'est ce que montrent, hein, les études qui ont pu être faites sur les perceptions des populations, que le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, c'est bien accepté, évidemment c'est bien accepté des francophones, hein, sans doute, mais c'est bien accepté aussi de la part de la communauté anglophone. Alors il n'empêche qu'une fois que j'ai dit ça, Marianne a soulevé quelque chose qui est une grande force, hein, pour l'école francophone, ben, à la grandeur du Canada, hein, qui est le principe de la dualité. Et je dirais qu'au Nouveau-Brunswick, c'est ce principe-là aussi qui concentre la majorité de ses détracteurs, hein, puisqu'il y a quand même deux articles sur les 10 de la partie 2, hein, dont un qui traite de l'anti-bilinguisme, et aussi le travail qu'on a mené, Émilie Urbain, Éric Forgue et moi, sur les débats sur le bilinguisme dans la presse, hein. Donc c'est moins le bilinguisme qui est remis en cause, hein, ça semble globalement accepté, hein, je veux dire à peu près, c'est la dualité qui est jugée. Puis dans notre article aussi sur la presse, je voudrais quand même préciser, faire une autre nuance, que c'est essentiellement l'antibilinguisme, c'est essentiellement un propos des lecteurs et très peu des journalistes même. Bon, en tout cas, donc c'est ça, hein, la dualité est jugée discriminatoire, notamment, hein, ça c'est un des grands arguments, elle est jugée trop chère pour une province qui n'en aurait pas les moyens. Elle est aussi accusée de favoriser indûment sur le marché de l'emploi les francophones. Puis ça, c'est intéressant parce que l'étude, pareil, hein, qu'il y a donc dans le chapitre 2 sur les pratiques linguistiques au travail, de mon collègue Mathieu Leblanc, ben, montre quand même qu'en milieu de travail, il y a encore une très nette prédominance de l'anglais et que finalement, il y a un décalage entre la perception que l'on peut avoir de sa place, y compris de la part des francophones, et de la place qu'elle a effectivement, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi, que quand la dualité est attaquée, c'est aussi au nom du libre choix. Et ça, pareil, hein, en matière de langue, hein, on sait toujours que le libre choix, ben, pour le minoritaire, c'est forcément désavantageux. Bon. Ça, c'est ce que montre bien notamment l'étude de ma collègue Isabelle Violette sur l'affichage commercial. Donc, l'affichage commercial, c'est quelque chose qui tombe pas à la différence du Québec avec ses lois, bon, avec son apparat, ouais, législatif très développé, hein. Et donc ce que ça nous montre, hein, c'est que c'est très peu. Elle a même, c'est pour ça que quand Michel disait « Oh, je l'ai écrit pour les décideurs publics », ben elle a même des phrases sur la municipalité précisément de Dieppe, hein, qui se présente comme l'étoile de l'Acadie, mais qui dans son paysage linguistique est une ville anglophone, hein, je veux dire vraiment. Donc c'est voilà. Donc c'est ça. Je trouve que c'est le travail sur l'affichage, hein, nous montre bien qu'on ne peut pas se contenter de la bonne volonté des individus. Et pourtant, quand on en vient justement aux questions de forme de la langue, hein, de qualité de la langue, je vais dire ça comme ça, hein, ben là, on fait immédiatement, on se tourne immédiatement vers l'individu, hein, alors que ben, l'individu, on accepte quand même cette idée qu'il ne peut pas faire face tout seul à la langue majoritaire, et que ça, c'est vrai autant dans la législation que pour les questions de qualité, hein. Et pourtant, dans les discours sur cette question-là, des discours que j'ai étudiés avec ma collègue Émilie Urbain, donc, parce que quand on parle de qualité de la langue aussi en Acadie, je pourrais le dire tout de suite, hein, plus souvent qu'autrement, on parle de sa mauvaise qualité. Bon, c'est ça, hein, le discours, hein, j'allais dire. Et pour contrer cette mauvaise qualité, puis je pourrais revenir sur cette question-là plus tard, hein, la solution, c'est vraiment la fierté et la volonté des individus, en l'occurrence des élèves, hein, alors que bon, ben, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et puis ça, je vais peut-être le garder pour les principales difficultés et défis. Excellent. Excellent. Mais tout de suite, peut-être, je passerai
Déjà, Christophe a discuté un peu des principaux défis qui touchent l'immigration. Marianne, un peu, peut-être que vous pouvez sauter sur l'occasion et de nous décrire ces défis qui sont liés à la question linguistique. Oui? Marianne ou moi-même? Vous-même. OK, donc c'est ça. Ben, OK, notamment le texte de Annette Boudreau et Lise Dubois qui s'appelle Agir sur l'insécurité linguistique le fait très clairement ressortir. Hein. Si la politique linguistique est jugée à peu près bien conforme, etc., il manque clairement un aménagement linguistique. Donc, il manque clairement un aménagement linguistique, puis je vais revenir là-dessus. Mais donc, je vais quand même un petit peu broder là sur, enfin broder, développer sur la mauvaise qualité. Donc, il y a toujours un discours qui traite de la mauvaise qualité, un discours qui met l'emphase essentiellement sur les anglicismes, qui seraient toujours nombreux, trop nombreux, etc. De plus en plus nombreux, ça, c'est le discours. Et là, vraiment aussi, il y a un décalage entre la perception et ce qu'il en est vraiment, hein, je dirais. Ben en tout cas, par exemple, ce que montre l'article de Karine Gauvin, donc qui est un article sur la situation linguistique, qui évidemment, elle dit des choses qui sont très vraies, mais qu'on n'entend pas souvent, ben que le standard n'a jamais été aussi présent en Acadie du Nouveau-Brunswick. Je veux dire, les Acadiens n'ont jamais été aussi scolarisés que ce qu'ils le sont aujourd'hui, et c'est quand même la langue de la scolarisation. Il y a aussi un contact avec les autres communautés francophones, autant au pays qu'à l'international, qui est important. Il y a aussi une immigration, ben, je ne peux pas dire que les immigrants représentent le standard, même si dans la tête des gens, souvent, c'est ça, mais en tout cas, il y a quand même la familiarité avec différentes variétés et différents niveaux de français qui est notable quand même. Mais en dépit de ça, on retrouve toujours ce discours du manque, du déficit, etc. Et du coup, la sensation de la part de la population que, pour, en tout cas, qu'elle parle mal, hein, je veux dire. Bon, voilà, je ne sais pas si peut-être mes collègues auraient quelque chose à rajouter. Bien sûr. Merci. Merci pour avoir précisé cet aspect-là qui est, à mon sens, important. Bien sûr, sur le plan politique, quelle est la situation de l'Acadie? Est-ce qu'il y a une nouveauté sur le plan politique? Chacun ici a. Comment ça se situe actuellement, le débat? Vous parliez tout à l'heure des discours anti-bilinguistes. On sait la COVID également, comment ça s'est passé chez vous. J'aimerais avoir peut-être un peu de vos lumières là-dessus sur la situation, l'état de l'Acadie sur le plan politique. Oui, je peux y aller si vous voulez. Bien sûr. Alors, juste pour revenir, reculer un peu par rapport à des éléments de portrait, pour ceux et celles qui ne sont pas tout à fait familiers ou familières avec l'Acadie, il faut comprendre que l'Acadie a quand même cette particularité où il y a une concentration démographique sans précédent, je pense, au Canada, là, mis à part le Québec. C'est-à-dire qu'il y a des régions, là, la péninsule acadienne, le Madawaska, où quotidiennement, on vit à 100% en français. Alors, il y a quand même cet aspect-là qui fait que... il y a vraiment, là, quand on parle de deux solitudes au Canada, là, ça, on le sent... à 100 000 à l'heure au Nouveau-Brunswick. Puis politiquement, comment ça se traduit? Ce que j'aurais jamais, moi, j'ai grandi autant libéraux, conservateurs. Bon, j'ai grandi avec un premier ministre comme Frank McKenna, puis ensuite, plus tard, Bernard Lord, conservateur, mais vraiment des premiers ministres qui incarnaient la valorisation du bilinguisme. Puis jamais on aurait pensé se retrouver au Nouveau-Brunswick avec un premier ministre qui est carrément hostile et pas juste méconnaissant, mais vraiment méprisant envers les francophones. Alors, d'un point de vue politique, on se retrouve dans une espèce, j'espère, une parenthèse historique qui nous permet de réaliser que finalement... sur quoi on est assis, c'est peut-être pas aussi acquis que ce qu'on l'imaginait il y a quelques années. Alors, politiquement, il y a aussi, là, ça peut être lié avec le populisme ambiant, mais il y a toujours eu au Nouveau-Brunswick des relents d'anti-bilinguisme, anti-dualité surtout aussi,
dans cette province ici, qui est lié aussi au fait que finalement, les anglophones connaissent plus les francophones, connaissent plus la réalité des francophones. Les francophones sont, tu sais, beaucoup de ces communautés francophones-là, même si je l'ai dit, il y a quand même beaucoup de francophones dans les milieux urbains et donc qui quotidiennement vivent avec les anglophones. Mais il y a certaines factions, c'est quand même des factions de la population anglophone qui se fait de plus en plus entendre et puis qui se trouvent des sympathisants, notamment dans certains partis politiques, qui arrivent à remettre en question, je dirais, des aspects, des enjeux linguistiques qu'on n'aurait jamais pensé, qui seraient discutés dans le passé. Puis ça, on l'a vu aussi à l'échelle nationale, là, par rapport à, je ne sais pas, des petits incidents à l'échelle nationale par rapport à, par exemple, les politiques de la COVID. Mais au Nouveau-Brunswick, notamment, on se retrouve quotidiennement avec des conférences de presse qui ne sont pas du tout menées dans les deux langues officielles. Alors, c'est beaucoup des irritants, puis je pense que ça nuit beaucoup là, à la cohésion sociale, mais vraiment, on sent un irrespect par rapport aux francophones. Mais cela dit, c'est ça, il y a une grande proportion de la population francophone qui se retrouvent dans leur communauté dans le nord de la province, qui ont aussi des défis particuliers socio-économiques, la saisonnalité de l'économie, qui sont tout autant des enjeux qui sont quand même partagés par une portion de la population anglophone, mais qui ne sont pas aussi importants pour les anglophones que pour les francophones. Ce sont des enjeux qui sont véritablement centraux pour la population francophone, puis on sent justement cette perte de poids politique là, de la part la communauté francophone a tout simplement plus le poids politique, a plus l'influence qu'elle aurait eue dans le passé à mettre de l'avant les enjeux qui sont importants pour elle. Mais cela dit, j'ose espérer que ça va s'améliorer avec un changement de gouvernement, là, mais certainement, si on parle de défis, qui sont autant politiques, mais croisés avec d'autres domaines, que ce soit socio-économique. On a les défis qu'il y a un peu partout au Canada, mais des enjeux qui sont peut-être plus importants ici. Je pense au faible taux de littératie. Hein. Il y a un texte quand même assez... pour moi, ça a été un texte coup de poing là, de voir les faibles taux de littératie dans la population acadienne. Puis comme je l'ai déjà mentionné, la structure même de l'économie dans les maritimes, puis l'effet divergent sur les communautés linguistiques est d'après moi un enjeu qui se traduit au niveau politique. Écoutez, je pose la question, est-ce que le statut même du bilinguisme chez vous pourrait être menacé? Difficilement pour ce qui est des grands cadres, parce que quand même, on le sait, on ne change pas la Constitution canadienne du jour au lendemain, puis il y a quand même des clauses spécifiques au Nouveau-Brunswick. On dirait qu'il y a moins, en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, on sent moins ces tensions linguistiques-là dans ces provinces. Mmh. Probablement parce que les francophones dérangent un peu moins, mais quand même en Nouvelle-Écosse, ils sortent d'une grande lutte judiciaire pour avoir leur circonscription protégée. Alors quand même, c'est des enjeux, je pense, qui résonnent un peu partout au pays. Mais ce qui arrive, c'est souvent dans l'application de la loi, c'est souvent aussi dans le respect, par exemple, des choses assez simples comme des communications gouvernementales devraient être dans les deux langues officielles, ne sont pas. On a eu dans le passé des gros débats sur, par exemple, les ambulances, les services ambulanciers. Est-ce que c'est protégé par les droits linguistiques ou pas? Il a fallu que la société civile convainque le gouvernement que c'était protégé. Puis, c'est aussi un enjeu de santé publique, évidemment, de sécurité publique. Alors, je ne pense pas que les grandes structures sont menacées, mais c'est vraiment l'application des événements et du quotidien, je dirais.
je vois que Christophe trépignait pour entrer dans la discussion. Je le relance, puisque, bon, évidemment, le politique est son assise. Alors, cette situation-là, partagez-vous la lecture de Michel Landry? Moi, je pense, j'ai l'impression que l'hostilité dont parle Michel, et qui est très contextuelle, mais qu'on retrouve là aussi ailleurs, on ne peut pas dire qu'en Ontario, ce soit plus intéressant. Hein. Je dirais qu'il y a un mouvement de franco-scepticisme qui existe au Canada. Je pense qu'on pourrait l'appeler comme ça. Vous diriez « bashing » en anglais? Non. Pas jusque-là? OK. Non, pas jusque-là, mais justement qui s'enracine dans quelque chose qui est encore plus grave, à mon sens, c'est l'indifférence, en fait. Et tout à l'heure, Michel parlait de la double solitude qu'on retrouve encore de nos jours. Je pense que cette double solitude, elle s'exprime essentiellement à travers l'idée selon laquelle, pour une minorité, au sein de la minorité francophone, il existe encore un problème linguistique. La question linguistique, elle est encore bel et bien présente. Mais pour la très grande majorité de la population canadienne, on est clairement passé à autre chose. C'est-à-dire que ce n'est plus un enjeu, ce n'est plus une question importante, ce n'est plus une question fondamentale. Et ça, c'est assez dangereux, je dirais, pour l'avenir de la francophonie canadienne. Et moi, la question que je me pose et qui me taraude, c'est peut-être pour ça que j'étais trépigné tout à l'heure, c'est que je me pose la question de savoir si le modèle canadien de reconnaissance, sur lequel on a fait reposer tous les dispositifs auxquels on a droit actuellement en tant que francophone en situation minoritaire, en gros la loi sur les langues officielles, je me pose la question de savoir si ce modèle de reconnaissance est le bon. Alors, vous me direz, après 50 ans, il serait peut-être temps de se poser la question, mais on ne se pose pas la question au Canada. Et c'est bien là où c'est grave. C'est-à-dire que là, on est en train de se poser la question de savoir comment on va renouveler la loi sur les langues officielles, sans se poser la question de savoir si ce modèle avait réussi ou échoué dans le fait de garantir le plein épanouissement de nos minorités francophones. Et je dirais, le vaisseau amiral de ces minorités francophones, je dis peut-être ça parce que je suis à Moncton, à mon sens, c'est la nation acadienne, c'est le peuple acadien. Bien sûr. Mais quand on regarde les textes fondamentaux, encore une fois, après 50 ans de loi sur langues officielles, je vous mets au défi de trouver un seul endroit dans ces textes fondamentaux, Charte canadienne des droits et libertés, Constitution canadienne, loi fondamentale du Canada, où on va parler d'Acadie et encore moins de nation acadienne ou de peuple acadien. Il y a une invisibilisation de nos communautés dont on parle à travers des acronymes comme communauté de langues officielles en situation minoritaire, communauté francophone en situation minoritaire. Pourquoi est-ce que nulle part on ne voit apparaître Françaisoisie, franco-ténois, franco-manitobain, acadien? Il y a une invisibilisation de nos communautés qui est extrêmement problématique. Et ça pose toute la question, de toute façon, de l'inexistence de collectivités francophones en tant que telles. On est face, bel et bien, face à des communautés francophones qui disposent d'un certain nombre de services, vis-à-vis desquels, finalement, celui qui joue le rôle de champion de la cause francophone, c'est le gouvernement fédéral. Voilà. Qui finance finalement beaucoup de services, qui est effectivement à l'avant-garde hein, de la protection des minorités francophones, mais ça devrait être aussi les minorités francophones elles-mêmes qui devraient être aux commandes. On parle souvent de gouvernance communautaire, mais cette gouvernance communautaire, ce n'est pas elle qui gouverne. Hein, la gouvernance communautaire, ce n'est pas la gouvernance gouvernante. La gouvernance gouvernante, c'est le gouvernement fédéral en matière de minorité linguistique. Là aussi, c'est un sérieux problème pour l'avenir de nos communautés. Donc voilà, c'est un peu là où je voulais en venir. Je vous arrête pour le moment. Je sens que là, j'ai réveillé une bête qui pourrait continuer. Mais il y a beaucoup de gens ici aujourd'hui
qui ne sont pas de l'Acadie. Une question à tout le monde, et j'aimerais que tout le monde puisse y répondre. Qu'est-ce qui spécifie, en quelque sorte, les défis, les problèmes ou les caractéristiques de l'Acadie par rapport aux autres francophonies minoritaires du Canada, ou majoritaires, si vous voulez? Qu'est-ce qui les différencie? En quoi, au fond, elles se rapportent, elles sont similaires, et en quoi les défis sont différenciés? Je peux y aller, personne ne veut y aller. Allez-y. Peut-être que je sais que Marianne a peut-être quelque chose à dire là-dessus aussi d'un point de vue en éducation. Mais, certainement. Mais je vais y aller rapidement, là. Je sais que le temps file, mais pour moi, c'est la démographie. Dans le fond, un défi, ben, je pense que l'Acadie, en fait, je vais renverser la question. Je pense que l'Acadie a un avantage. Je parlais de concentration géographique. Notamment au Nouveau-Brunswick, là, c'est certain qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, puis en Nouvelle-Écosse, la situation est quand même plus semblable qu'aux autres provinces, mais la concentration démographique fait qu'il y a quand même des taux d'assimilation qui sont moins élevés au Nouveau-Brunswick. On a cet avantage-là, justement, d'avoir des certaines poches de francophones, mais comme Marianne le disait, le défi va être le vieillissement de la population, on le sent, hein? C'est notamment lié aussi au vieillissement de la population, donc comme elle le disait, les personnes âgées ne font pas d'enfants, mais aussi est-ce que la langue a été transmise, ça fait qu'on a peut-être plus de vieilles personnes que de jeunes, dans le fond, à certains égards. Alors, il y a tout le défi démographique avec le vieillissement de la population, probablement les migrations internes aussi qui font que pour l'avenir, je pense qu'on a vraiment un défi démographique qui est particulier pour ce qui est de l'Acadie. Mais aussi, il y a un autre défi qui devrait se résoudre bientôt, notamment au Nouveau-Brunswick, c'est la municipalisation du territoire. Alors, en raison de cette concentration démographique au Nouveau-Brunswick, notamment, les municipalités sont vraiment un palier gouvernemental qui prend toute une importance puis qui est peu mobilisé pour aborder les enjeux propres aux communautés acadiennes et francophones. Au Nouveau-Brunswick, il y a 30% de la population là, qui n'habite pas des territoires municipalisés. Donc là, on vient d'annoncer une réforme. Alors, c'est comme je dis, on va enfin, finalement, régler un problème qu'on traîne depuis les années 1960. Mais je pense que comme partout au Canada, mais encore plus où on a cette concentration démographique des francophones, il faut que les francophones se saisissent du palier municipal. Alors, les questions de ruralité, de saisonnalité de l'économie, je pense que c'est quand même des défis qui sont assez particuliers dans les provinces atlantiques, là, qu'on ressent peut-être un peu plus fortement là, dans ce coin ici du pays. Excellent. Marianne, peut-être? Oui, ben en éducation, j'ai déjà parlé de la dualité qui émerge du ministère et non pas juste d'un district scolaire. Là, ça fait qu'on a tout le secteur francophone au ministère. Donc ça, c'est certainement au Nouveau-Brunswick quelque chose qui distingue la population francophone acadienne néo-brunswickoise du reste des autres minorités. Mais on a aussi une complétude institutionnelle en éducation de la petite enfance jusqu'au post-secondaire. On a l'Université de Moncton avec ses trois campus. Absolument. On est bien campés partout, ben pas partout, mais bien divisés sur le territoire. Avec les trois districts, on a un campus dans chaque district scolaire, ça fait que les élèves peuvent mieux percevoir, je pense, une suite. Il y a des collèges communautaires aussi, il y en a cinq français, puis en Nouvelle-Écosse, il y a l'Université Sainte-Anne en Ontario. On connaît la situation d'université surtout bilingue, là, l'Ontario français est là maintenant. Mais il y a Saint-Boniface, mais à part de ça, les autres provinces, les autres minorités, c'est des partie d'une autre institution. Donc, nous, on a plus, c'est beaucoup plus solide de ce côté-là pour cette infrastructure-là, ce qui fait que les jeunes vont peut-être avoir plus de réflexes
de penser en français quand ils pensent à leurs études. Excellent. Écoutez, le temps file, hein? C'est ce que je m'aperçois. Moi-même, c'est très intéressant. Je vais vous poser une question un peu large. Deux questions. La première question, c'est est-ce que, selon vous, l'Acadie aujourd'hui est mieux équipée pour faire face aux défis qui l'attend? Puis, si on avait à imaginer ce que sera l'Acadie en 2050, qu'est-ce que ça sera? Et je vous demande de faire un véritable effort ici de prospective qui peut être à la fois dystopique ou utopique. C'est à vous de décider. Mais je vous demande peut-être de prendre la balle au bon. Je commencerai peut-être par Mme Arrigui. Je m'en doutais. OK. Comme mes collègues, je pense que quand même la francophonie en Acadie du Nouveau-Brunswick possède des atouts très importants. Comme je l'avais déjà plus ou moins un petit peu initié dans mon intervention précédente, hein, il me semble que ce qu'il y a vraiment quasiment à mettre en place, et en tout cas, quoi qu'il en soit, renforcer, c'est un programme d'aménagement linguistique, hein, un programme qui fait que, au-delà de la loi, il est normal. En fait, je veux dire, où on puisse travailler en français, où on puisse vivre en français, etc. En fait, finalement, utiliser la langue dans toutes les fonctions expressives qui sont dévolues à une langue. Et ça, c'est pas encore tout à fait le cas à l'heure actuelle. Et c'est sûr que avec notre gouvernement actuel, c'est peu engageant pour qu'il se saisisse de ce dossier-là. Je dirais que c'est ça, là, le principal, à mon avis, le principal but qu'il faut se donner comme société, là. Excellent. D'autres personnes sur l'Acadie 2050, est-ce que il y a des... si on fait cet effort de prospective, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'avance? Ah, je peux continuer. On se pose la question en linguistique, par exemple, mais ça, c'est complètement prospectif, hein, de où va la langue. C'est ce que je veux. Voilà, où va la langue. Donc, la langue, en fait, en Acadie, comme ailleurs dans le monde, elle peut aller dans deux directions. Hein. Ferdinand de Saussure, là, il parlait de l'esprit de clocher versus l'esprit d'intercourse. Donc, on pourrait aller vers une langue qui serait comme plus vernaculaire et plus divergente des autres francophones, ou inversement, on pourrait aller vers une langue qui est plus standard et qui converge plus avec le reste des francophones. Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les pratiques, hein, on observe à la fois les deux mouvements, c'est-à-dire plus de vernacularisation, notamment une utilisation du chac en public plus développée, etc., mais en même temps, une plus forte standardisation. Et ça, je trouve que c'est une situation intéressante parce qu'on avait toujours pensé que l'un était exclusif de l'autre et que okay. Il ne pouvait pas avoir les deux en même temps, alors qu'il me semble que ce qui est intéressant, c'est sûr qu'on verra où on en sera dans 25 ans, mais ce qui me semble, c'est qu'on avance à la fois vers une langue qui est plus standard, plus convergente, hein, je dirais, et à la fois une langue qui laisse plus de place aussi au local. En tout cas, donc j'ai hâte de savoir ce que ça sera dans 25 ans. Merci. Si vous me permettez, j'ajouterais que c'est extrêmement difficile à prédire comment ça va ressembler parce que j'ai relu mon texte en préparation pour la table ronde, puis j'ai dit, mon Dieu, il me semble qu'en éducation, il y a tellement de choses qui ont changé depuis que j'ai écrit le texte qui vient d'être publié. Puis c'est quand je pense à, je vais juste donner l'exemple de l'école de Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick, petite communauté, mais qui a un influx d'élèves qui sont d'origine mexicaine, jamaïcaine, philippin, parce qu'ils sont venus travailler dans les endroits où les Acadiens veulent peut-être plus travailler. Ça fait qu'on va les recruter où il y a une pénurie de main-d'œuvre là. Qu'est-ce que ça fait à l'école? Qu'est-ce que ça fait à la communauté? C'est très intéressant de voir ça, mais qu'est-ce que ça fait spécifiquement à l'école qui a une double mission de construction identitaire acadienne quand on a des élèves qui arrivent du Mexique et qui ne savaient pas que l'Acadie existait avant qu'ils arrivent. Ça va être, il va falloir que l'école se redéfinisse, qu'elle sache
être inclusive, accueillir l'autre pour qu'ils veulent faire partie du projet de société, puis qu'elle ne soit pas exclusive, qu'il y ait des vrais légitimes qui sont dans l'école et d'autres qui sont là, mais c'est le fun parce que ça nous fait un siège de plus, puis ça augmente nos statistiques, mais vraiment, tu n'es pas un vrai. Ça fait qu'il faut, s'éloigner de ce discours-là. Donc, il faut s'ouvrir à l'autre. Sans se perdre, c'est une phrase que Catalina Ferrer, une de mes profs, quand j'étais au bac, nous disait toujours. Mais aujourd'hui, j'ai le goût d'ajouter, il faut s'ouvrir à l'autre sans se perdre pour continuer d'être. Écoutez, excellent. Il nous reste 30 minutes, mais là, j'ai promis aux gens qui pouvaient intervenir et je vois que là, la banque commence à sauter, c'est-à-dire que le chat se remplit de questions. J'interpellerai les gens pour qu'ils posent des questions et qu'ils prennent la parole à nos intervenants. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, veut se lancer parmi l'ensemble des participants ici réunis. Je peux casser la glace. Excellent, Joël, bonjour. Bonjour, merci à tous, puis félicitations pour la sortie du livre. J'ai une question en particulier pour Marianne. En fait, Marianne, ça fait longtemps que je veux te la poser. Je ne t'ai jamais rencontré en personne encore. Je connais un tout petit peu hein, ton idée de l'ouverture à l'autre. Tu m'as semblé être peut-être reculé un petit peu aujourd'hui ou en tout cas être nuancé sur cette question-là. Mais justement, je me demandais, est-ce que tu as pu venir voir la situation dans les écoles francophones dans l'Ouest et dans l'Ontario? Est-ce que tu as l'impression que c'est la même dynamique qui commence à s'installer dans les villes, dans les centres urbains acadiens? Puis, juste comme ça, je dirais, moi, je n'ai pas l'impression que la création d'un deuxième, de citoyens de deuxième zone pour les anglophones est un problème ici. Je n'ai pas l'impression que les étudiants, que les élèves dans les écoles francophones, mais qui parlent constamment en anglais, se sentent visés, se sentent jugés comme étant pas un vrai. J'ai vraiment nettement l'impression, au contraire, qu'ils imposent assez rapidement leur voix linguistique dans la cour d'école. Ça varie d'une ville à l'autre, c'est sûr. C'était plus grave à Sudbury que ce l'est ici, dans l'Est ontarien. Mais je ne vois pas ça comme un enjeu, hein, le fait qu'il soit traité différemment. Je vois, au contraire, un enjeu où, très rapidement, cet espace-là, qui est un de nos espaces francophones principaux, l'école, il se fait engouffrer. Hein? La majorité entre dans cet espace-là et le transforme en espace bilingue, bilingue bisant ou même anglophone dans l'informel. Donc, je me demandais, qu'est-ce qui est la formule que tu préconises en termes de... Parce que, justement, moi, je trouve qu'ici, on fait beaucoup de publicité pour attirer les ayants droit. C'est vrai que c'est des ayants droit. Mais des fois, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait à la dynamique dans les écoles? Je me demande si ça vaut le coup. Merci. L'alternative, c'est que les écoles seront vides et que les enfants qui deviendraient des ayants droit ne le sauront plus et la communauté va s'effriter davantage. Je comprends les inquiétudes et je comprends les frustrations. Il faut se rappeler par contre que c'est plus le contexte qui est anglicisant que les élèves de ces familles-là. Puis il ne faut pas comme dire « Ah, ben c'est parce qu'il y a des élèves qui parlent anglais à la maison puis ils arrivent à l'école que ça anglicise l'école. » C'est le lieu où l'école se situe parce que les élèves qui parlent français, ils vont aller dans leurs activités extracurriculaires. Ils vont aller jouer au hockey en anglais, ils vont regarder la télévision, même s'ils sont dans une famille francophone, ils vont regarder la télévision en anglais, etc. Puis ça va faire partie de ce qui est normal pour eux de continuer à parler en anglais dans la cour d'école. Puis c'est ce qui est cool, c'est ce qui est la chose qu'on aspire à faire. Moi, j'ai parlé français à mes enfants, évidemment, puis à 5 ans, ma fille qui avait que fréquenté des endroits francophones m'a dit: trouves-tu pas que je chante mieux quand je chante en anglais que quand je chante en français? Ça fait qu'on, c'est comme une question de statut. Puis les écoles, la tâche n'est pas facile, là, mais les écoles ont besoin d'avoir un rapport positif avec la langue et la culture pour que ça soit
quelque chose que les jeunes trouvent qui est aussi bien de faire que de l'autre côté. Une chose que j'ai souvent remarqué, c'est qu'on corrige en français, puis on discute en anglais. Dans les cours d'anglais à l'école de langue française, on discute de thématiques en littérature, on discute de qu'est-ce que l'auteur voulait bien nous dire. Puis quand on arrive en français, ben, on a une attitude plus comme « Ah, ben, t'as des fautes de français dans ton texte, puis ta syntaxe n'est pas tout à fait bonne, puis il y a beaucoup d'anglicisme. » Fait que les jeunes vont vouloir aller vers l'anglais. Ça fait qu'on a besoin de regarder tout ça. Puis, on a besoin d'élargir aussi. Les jeunes ne sont pas assez, à mon avis, appelés à lire et à écrire en français dans leurs autres disciplines scolaires. C'est un de mes domaines de recherche. Puis, ça vient toucher des problèmes de littératie. Parce qu'on a fait un projet avec mon équipe de recherche, puis on a fait lire les élèves des romans de Bouton d'Or Acadie dans leur cours de sciences. Puis on a évalué pré-post, c'est une étude longitudinale, et chez des sixièmes à huitièmes années, dans le cours de sciences, on a eu des résultats à peu près semblables en sciences que notre groupe contrôle, mais on a eu une augmentation dans leurs compétences en lecture, ce qui était significatif comparativement au groupe contrôle. Donc là, on a besoin d'avoir beaucoup de scénarios comme ça qui se reproduisent dans nos salles de classe où est-ce que c'est motivant, c'est engageant de parler, de vivre en français. Merci. J'ai une question du sénateur Cormier. Sénateur Cormier, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Et puis, d'abord, merci pour cet ouvrage qui est un peu ma table de chevet, mon livre de chevet actuellement. J'aurais une question pour le professeur Trenel, mais je voudrais juste vous faire part à la lumière de vos écrits, d'une réflexion que je me fais actuellement comme parlementaire au niveau fédéral sur la place qu'occupe l'Acadie sur la scène fédérale et les enjeux. J'étais très, très, très fasciné par le livre et j'ai tout de suite couru voir le chapitre qui s'appelle « Pouvoir et politique » pour constater qu'en fait, vous faisiez une réflexion sur l'État par province, en fait, de la situation de l'Acadie. Et puis, les grandes questions que je me pose, moi, actuellement, comme sénateur acadien indépendant, et j'agis à l'extérieur, évidemment, de la partisanerie des partis, mais c'est de quelle manière l'Acadie travaille sur le plan fédéral pour réellement accroître son pouvoir politique et accroître aussi sa gouvernance. Alors, je suis très, très sensible, et là, j'avais écrit plusieurs notes, mais je suis très sensible à ce que dit le professeur Trenel et les questions qu'il pose sur le modèle de reconnaissance de l'Acadie, sur les instruments que l'Acadie se donne collectivement pour prendre sa place sur la scène fédérale. Parce qu'en effet, pour beaucoup de parlementaires canadiens, l'Acadie est malheureusement un détail. Et dans le contexte actuel des enjeux qui touchent, par exemple, les peuples autochtones, qui touchent l'environnement, qui touchent le changement climatique, comme parlementaire, il est assez difficile de répondre à la question « Que veut l'Acadie? De quelle manière veut-elle accroître son pouvoir politique sur le plan fédéral? De quel type de gouvernance veut-elle se doter? Quel niveau d'autonomie veut-elle? Et comment, comme parlementaire, puis-je aider à l'atteinte de ces objectifs? » Je crois que ça fait partie des enjeux qu'on se pose beaucoup de ce point de vue-ci à Ottawa, où les sons des klaxons sont aujourd'hui beaucoup plus forts que la parole politique. Alors, j'avais cette question pour le sénateur Trenel en disant, vous posez ces questions-là, mais à votre avis, qu'est-ce qui doit être fait? Quelles seraient, de façon un peu caricaturale, les 10 actions à entreprendre pour la pleine reconnaissance de l'Acadie au niveau fédéral, au-delà de ce qui existe, la loi sur les langues officielles, le travail qu'on fait en immigration, le travail qu'on fait en culture et en éducation avec cette compétence provinciale? Voilà pour cette vaste question. Merci. Merci beaucoup pour la question. On pourrait écrire 10 thèses, je pense, là-dessus. Mais très simplement, que veulent les Acadiens? Je pense que toutes ces questions se résument en une seule, c'est celle-là. Et derrière cette question de que veulent les Acadiens, y a cette question aussi, comment est-ce qu'on pourrait savoir ce que veulent les Acadiens? Et c'est tout le dilemme du modèle de reconnaissance dont je parlais tout à l'heure.
un modèle de reconnaissance qui n'offre finalement aux francophones en situation minoritaire qu'une relative considération politique. Il n'y a pas de représentation politique acadienne ou francophone en situation minoritaire. Il n'y a pas un lieu à travers lequel on puisse porter une parole publique acadienne ou francophone en situation minoritaire. Il n'y a pas cet espace, cette assemblée. Hein, par exemple, à Ottawa, il y a un parlement qui permet au peuple canadien de représenter politiquement la volonté du peuple acadien. Mais c'est pas du peuple canadien, pardon. Mais c'est pas le cas de la nation acadienne. La nation acadienne n'a pas ce type de lieu. Elle a des organismes porte-parole qui sont essentiels, qui sont fondamentaux, justement, dans l'énoncé d'un certain nombre de revendications, dans le maintien et dans l'appui à un certain nombre de services dont peuvent jouir les Acadiens. Mais il n'y a pas ce lieu d'expression d'une parole publique acadienne. Et ça, je dirais que c'est un des principaux problèmes qui se pose à l'Acadie. Et est-ce qu'il y a des demandes ou des partis ou des associations qui aimeraient avoir une voix supplémentaire qui parle en ce moment en Acadie? C'est aussi une forme de une partie de la question du sénateur Cormier. Je pense qu'il y a une... Oui, bien sûr, on peut retrouver... Là, il y a par exemple des initiatives très régulièrement qui ont lieu... je pense que la réforme sur les municipalités, elle est aussi derrière cette réforme sur les municipalités. Il y a cette volonté finalement de déterminer ou de définir ces fameux lieux dont je parlais d'expression de la parole publique acadienne. Ben, ces municipalités francophones majoritaires pourraient être éventuellement ce type de lieu. Il existe aussi régulièrement, la SANB fait toute une série, dans son histoire, toute une série d'activités, de consultations qui visaient à faire émerger cette parole publique, mais c'est extrêmement difficile tout simplement parce que la représentation politique est morcelée. Lorsque les organismes acadiens disent bah, « c'est nous qui portons la parole de l'Acadie », et quand ils sont un peu trop revendicatifs, bah, très vite, à la Chambre des communes ou à l'Assemblée législative au Nouveau-Brunswick, par exemple, vous allez avoir un certain nombre de sénateurs qui vont dire « mais non, c'est nous qui portons la parole de l'Acadie ». Mais c'est, j'irais, ni l'un ni l'autre, c'est l'un et l'autre. Et c'est ce morcellement de la parole publique qui est extrêmement problématique, tout simplement parce que cette volonté générale qui pourrait cristalliser cette volonté acadienne ou de la francophonie canadienne n'est pas possible, tout simplement. D'accord. Encore une fois, parce qu'on a fait le choix de politique de reconnaissance linguistique. Qu'est-ce qu'on a reconnu au Canada? La langue française, la langue anglaise, mais certainement pas des communautés autonomes capables de porter leurs propres paroles. Merci pour cette réponse. Il y a une question de Mme Christine Privat. Vous pouvez peut-être poser votre question. Oui, ce n'était pas vraiment une question, c'était une constatation. Bon, je suis actuellement au Québec, mais j'ai vécu 6 ans à Edmundston, puis j'ai été bénévole et puis sur le CA du centre de... j'ai perdu le nom du CRANO. Et nous accueillons souvent des familles qui arrivent et on a plusieurs fois eu le cas de familles qui ne pouvaient pas inscrire leurs enfants dans une école francophone parce qu'ils n'avaient pas encore d'adresse définitive. Et le système scolaire ne le permet pas, donc ils étaient obligés de les inscrire dans une école anglophone à leur grand désarroi et puis ils étaient très peinés, mais une fois qu'ils étaient inscrits à l'école anglophone, ils y sont restés. Donc, on perd des étudiants francophones de cette façon-là. Je sais que c'est... je ne sais pas si c'est partout dans la province, mais je soupçonne que oui, parce que, étant donné que les écoles francophones sont disséminées un petit peu dans les quartiers, il faut prouver qu'on habite dans ce quartier-là pour aller dans cette école-là. Puis, si on n'a pas ça, si on est logé provisoirement ou dans un hôtel ou dans un Airbnb ou chez des amis, etc., ils ne considèrent pas ça comme une adresse définitive
et ils ne donnent pas la possibilité aux parents d'inscrire les enfants. Et ça, c'est vraiment dommage. Laurence ? Oui, je suppose qu'une partie du problème est que les enfants d'immigrants, les immigrants et leurs enfants ne sont pas considérés comme des ayants droit à l'école francophone au terme de la loi. Et ça surprend beaucoup les gens, mais comme pour moi, par exemple, ce n'est pas automatique que mes enfants puissent avoir droit à l'école en français. Et je sais déjà en tout cas, j'ai déjà discuté avec des étudiants immigrants qui ont des enfants, et des fois, c'est simplement ça, ils ne sont pas considérés comme des ayants droit. Et je trouve que c'est... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, là, mais il n'y a aucune obligation de les accommoder. C'est ça. Et puis l'école anglophone, par contre, les accueille à bras ouverts. Et puis voilà, donc ils n'ont pas d'autre choix. Puis c'est déjà tellement compliqué quand on arrive que ils trouvent la seule solution, c'est de les mettre dans l'école anglophone. Après, ils se disent écoutez, comme ça, ils vont apprendre l'anglais. Puis après, ils restent dans cette école-là. Oui, Maria. Oui, j'aurais juste une réaction à ça. Il y a la question de l'article 23 et qui a droit à l'école ou non, puis c'est appliqué assez à la lettre au Nouveau-Brunswick quand ça vient aux anglophones qui voudraient venir à l'école française parce qu'ils pensent que c'est une meilleure occasion pour leurs enfants d'apprendre le français que les écoles d'immersion. Mais au Nouveau-Brunswick, à l'exception des autres provinces canadiennes, on a une politique provinciale qui dit que si l'enfant peut parler français, il est admissible à l'école de langue française. On peut dire qu'il y a même un couple anglophone pourrait s'organiser pour que leurs enfants parlent français quand ils arrivent à l'âge scolaire et avoir accès à l'école de langue française. Donc, je trouve ça un peu surprenant, puis je pense que c'est la question de l'adresse qui achoppe et non pas la question des ayants droit dans la situation de laquelle vous parlez. Mais je pense que la situation a probablement changé, puis on a peut-être plus d'ouverture à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a 5-6 ans. Parce que, je veux dire, on incite fortement les écoles francophones à essayer d'accueillir les immigrants qui parlent français. Là, c'est le projet de l'école tout de suite pour sa survie. Mais c'était pas il y a 5-6 ans, c'est il y a maintenant. Je vous parle de maintenant. Si je peux le dire, ça m'apparaît comme un excès de bureaucratie, c'est-à-dire qu'Edmundston, c'est un milieu franco-dominant, là, où c'est très francophone, alors il y a plus d'écoles francophones que d'écoles anglophones. Alors, il y a probablement une école anglophone, alors peu importe où tu es sur le territoire, tu as accès à cette école-là, tandis que là, comme il y a plusieurs écoles francophones, il faut effectivement avoir une adresse dans le quartier pour avoir accès. Alors, moi, ça m'apparaît comme un excès de bureaucratisation qui amène des effets pervers qui ont finalement peu à voir avec la langue. Là. Je ne suis pas au courant des détails, mais comme Marianne le dit, c'est vraiment au Nouveau-Brunswick, les enfants d'immigrants ont le droit d'aller à l'école de leur choix finalement s'ils peuvent parler la langue. Là. Puis même s'ils ne peuvent pas parler la langue, finalement, ils peuvent y aller parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les allophones dans les écoles de langue française. Alors, ça m'apparaît vraiment comme une anomalie bureaucratique complètement... je trouve ça complètement absurde. Là. Exactement ça, mais je l'ai déjà souligné. Lors de rencontres avec le district scolaire francophone, ils étaient très choqués de ça, mais je leur ai dit, c'est ça qui se passe sur le terrain, malheureusement. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils n'ont pas d'adresse définitive, s'ils sont logés chez quelqu'un, si c'est un logement provisoire, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas accès, le système ne le permet pas. Donc, c'est ça qui est simplement modifié parce que c'est aberrant. Ça m'apparaît une technicalité. Mais Christophe, est-ce que c'est sur le même sujet ou sur d'autres choses? Oui, c'est simplement pour préciser qu'il y a quelques années, c'est pour ça que ça me paraît moi aussi assez étonnant, et à mon avis c'est aussi un excès de bureaucratie, parce que dans un contexte scolaire comme la région de Moncton, où les écoles francophones sont souvent surchargées,
Il y avait un programme d'accueil d'enfants de réfugiés syriens, d'ailleurs très, 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 très intéressant et très positif, qui a conduit justement des enfants parfaitement allophones de pouvoir être accueillis au sein des structures des écoles francophones et puis d'y suivre une scolarité avec des succès assez conséquents d'ailleurs de ce programme. Donc c'est assez étonnant. Merci. Il y a une question de M. Bernard Richard qui a déjà intervenu dans le chat à quelques reprises. Donc, M. Richard, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. D'abord, sur la question, moi, j'ai déjà été impliqué dans un cas où, effectivement, le district scolaire résistait à cause d'un manque d'adresse, mais dans la loi sur l'éducation au Nouveau-Brunswick, le ministre a une discrétion. Donc, ce que je recommande, suggère aux parents de communiquer avec le bureau de l'EMPOD et demander une intervention. Donc, sur cette question, moi, ma question est plus large, puis je l'ai en quelque sorte posée dans le chat. Ce qui me préoccupe avec la loi sur les langues officielles depuis 50 ans au Canada, au Nouveau-Brunswick, c'est qu'on tente de faire du Canada un pays bilingue d'une côte à l'autre. Puis, manifestement, ça n'a pas marché. Puis, je comprends que l'Acadie, c'est vrai que c'est un peuple qui a été coupé par la Confédération, puis que la situation des Acadiens est complètement différente de l'île du Prince-Édouard à la Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick où je me trouve. Mais il me semble que pour réussir l'aménagement linguistique qui est si nécessaire à la vitalité linguistique, qu'il faut considérer des régions, ça peut être le Grand Winnipeg avec Saint-Boniface, ça peut être l'Est de l'Ontario, ça peut être certaines régions de l'Acadie, mais il faut considérer des régions et appuyer l'aménagement linguistique dans ces régions-là. Puis, tant qu'on dépensera toutes les ressources considérables, beaucoup, beaucoup de millions de dollars sont dépensés dans la cause du bilinguisme à travers le Canada, mais après 50 ans, les taux d'assimilation continuent à augmenter, et y compris en Acadie. Donc, si on continue à prendre la même approche, à mon avis, on va faillir. Ça va peut-être prendre 100 ans ou 150 ans, mais on va faillir. Non, je suis intéressé d'avoir des réactions des panélistes s'ils en ont, peut-être pour me rassurer. Déjà, je vous dirais de mon côté, et vous pouvez réagir bien sûr, mais il me semble que les travaux même de Claude Castonguay, qui n'est pas nécessairement le plus le moins critique face aux questions d'assimilation, disait que le Nouveau-Brunswick tirait encore son épingle du jeu de manière assez étonnante qu'il était capable de non seulement conserver ses francophones, mais même en accroître. Alors, il me semble que ça va à contrario de votre dernier commentaire. Cependant, la question demeure entière aussi, bien sûr. Je ne veux pas débattre avec M. Castonguay, bien sûr, mais les taux d'assimilation, ils continuent à augmenter. C'est pas beaucoup, mais il continue à augmenter. Puis, écoutez, la situation de l'Acadie par rapport au groupe linguistique qui vivent en Ontario, puis encore davantage, évidemment, l'Ontario, il y a une population francophone importante, mais parlons de toutes les autres provinces du Canada, sauf le Québec. Puis, c'est sûr que notre situation est favorable, mais l'assimilation continue à augmenter malgré la dualité linguistique, malgré le contrôle de l'éducation de la maternelle jusqu'à l'université, tout le reste. Non. Donc, moi, en tout cas, je reste inquiet que si l'approche demeure la même, qu'on va faillir. Ça va prendre du temps. Il n'y a plus de temps en Acadie que peut-être ailleurs, mais on va faire. Si je comprends bien, vous préconisez un peu la formule de la Laurent O'Donton des régions bilingues, c'est ça, plutôt que de... du coast to coast? Ben, au minimum, une formule bilingue qui permet à aider davantage à des régions francophones à créer un aménagement linguistique où on se reconnaît comme francophone. Où Mme Laurence ne dira pas,
Dieppe est une ville, anglophone parce qu'elle est à 85 % francophone, mais avec l'affichage peut-être à 85 % anglophone. Tu vois, donc il faut au minimum un modèle hybride, mais ça risque pas d'arriver. Sur ces modalités, est-ce que des gens qui veulent prendre la parole ou on peut passer? Oui, Michel? Rapidement, moi je suis assez d'accord avec la lecture de Bernard Richard puis sur la nécessité d'un modèle hybride parce que voyez-vous ici, même au Nouveau-Brunswick, juste un exemple très concret, qu'on se trouve dans la péninsule acadienne ou dans le Madawaska, l'affichage public du gouvernement provincial, on retrouve toujours l'anglais en premier. Il y aurait vraiment besoin d'un aménagement linguistique sur certains territoires désignés, par exemple, pour que les politiques, que ça soit de l'affichage, mais ça peut être aussi les normes d'un point de vue de droit à travailler dans sa langue, plein de d'enjeux, dans le fond, où on pourrait, gérer, légiférer ou du moins mieux aménager linguistiquement certaines régions. Puis à ça, on peut imaginer que dans certaines régions de l'Ontario, du Manitoba, on pourrait avoir ce même type de modèle sans enlever quand même le bilinguisme coast to coast puis le droit aux écoles de langue française partout au Canada. Je pense que là n'est pas la question, mais je pense qu'après 50 ans, on est arrivé comme à une autre couche où on pourrait justement avoir certains territoires où les francophones sont réellement représentés politiquement, puis où ils retrouvent leur légitimité. Vous êtes probablement, la plupart d'entre vous avez lu le texte de votre collègue là, Anne Lévesque sur l'anglo-normativité, puis pour moi, je pense que ça va être le prochain concept fort là, de nos travaux respectifs. Pour moi, ça a vraiment été un aha moment, comme on dit, là, vraiment. Je pense qu'elle met le doigt sur quelque chose qui touche plus largement que la langue de travail, mais vraiment, tu sais, il faut justement, comme Bernard Richard l'a dit, qu'on affirme collectivement là où on est collectivement plus nombreux, mieux concentrés. Parce que c'est vrai que les taux d'assimilation sont beaucoup moins élevés au Nouveau-Brunswick qu'à l'extérieur, que dans les autres provinces. Là. La population francophone du Nouveau-Brunswick, en fait, a augmenté. C'est juste le poids démographique, donc le pourcentage de francophones qui diminue. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, à l'île du Prince-Édouard, où à la fois... Non. La population francophone a diminué, mais aussi la proportion diminue aussi. Là. Alors, oui, effectivement. Puis maintenant, on connaît beaucoup mieux les mécanismes d'assimilation aussi. Alors, on peut intervenir d'une manière, je dirais, peut-être plus efficace. Mais bref, je trouve que Bernard Richard amène un élément politique. Peut-être que le sénateur Cormier peut en prendre note, qui est vraiment, franchement, très intéressant et vraiment pertinent, qui pourrait être appliqué à la grandeur du Canada dans certaines régions. Je vais donner la parole maintenant à Lucie Hott, qui a une question. Lucie? Ma collègue Lucie, je ne sais pas ce que tu trouves, mais tu peux prendre la parole pour poser ta question. Je n'ai pas de question, Martin. J'ai juste fait un commentaire. Je ne voudrais pas être le politicien qui dirait aux francophones des régions les plus minoritaires « Sorry, but... » you're not on our radar anymore. Bye-bye. et qu'on vous laisse mourir. Personnellement, je pense qu'il n'y a aucun politicien qui va faire ça. Je suis d'accord qu'il faut trouver peut-être une façon de mieux fonctionner, mais je trouve que ça, c'est un peu radical comme situation. En Ontario, on a des régions désignées bilingues. Et on en a eu, je pense, c'est une 26e là, qui vient d'être désignée. Mais à chaque fois, il y a des coûts juridiques parce qu'il faut aller en cours. Et à chaque fois, il faut prouver que le nombre le justifie. Et on n'a pas nécessairement les statistiques. La loi sur les services en français en Ontario, la loi 8, est très imparfaite. Et évidemment, on en vit beaucoup le Nouveau-Brunswick parce qu'il y a une concentration démographique qu'on ne peut pas avoir sur un territoire comme l'Ontario, qui est beaucoup, beaucoup plus vaste. Donc, je sens que ce genre de discours va diviser les francophones du Canada plutôt que de les rassembler. À un moment, on a besoin plus de synergie que de divorce, si je peux dire ça comme ça.
Donc, c'était juste un commentaire, Martin. C'est un excellent commentaire. Je sens que qui titille d'ailleurs Christophe Trenel. Alors, Christophe? Oui, je pense qu'on peut essayer d'imaginer d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une loi sur les langues officielles enfin réformée, qui reconnaisse l'asymétrie entre les francophones en situation minoritaire d'une part, qui sont vraiment, vraiment, vraiment triplement ou quadruplement en situation minoritaire, et les anglophones en situation minoritaire, qui le sont aussi, mais uniquement à l'échelle du Québec. Donc, aller de l'avant avec cette réforme sur les langues officielles, qui doit être la plus charpentée possible, la plus affirmative possible, et dans un deuxième temps, essayer de faire en sorte que un peu partout au Canada, on puisse avoir effectivement des régions qui aient une forme de loi sur langues officielles plus, qui permettent aux régions très, très majoritairement francophones d'avoir, par exemple, une forme de représentation politique, une forme d'autonomie politique qui leur permette de décider véritablement d'un certain nombre de choses en matière d'éducation, en matière d'immigration, en matière de développement économique, etc. C'est tout à fait envisageable. Il y a plein de modèles qui existent dans le monde, qui sont des modèles hybrides, des modèles... et c'est au Canada aussi à s'inventer son propre modèle. Mais là, c'est clairement de l'utopie, parce que bon courage pour réformer les institutions canadiennes et réformer la Constitution canadienne, c'est quasiment mission impossible. Ben, sur ces paroles, écoutez, il est maintenant 13 heures. J'aimerais remercier donc Christophe Trenel, Laurence Arrigui, Marianne Cormier, Michel Landry pour leurs interventions éclairées. Tous ont travaillé de manière, je vous remercie beaucoup d'avoir aussi tenté de vous avez couvert plusieurs textes qui étaient dans le volume et vous avez assuré donc très bien, je crois, une sorte de couverture du volume. Je répète que ce volume, L'état de l'Acadie, est disponible dans tous vos bons libraires et je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine activité du Collège des chaires sur le monde francophone. Merci beaucoup et à bientôt.